Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour tout seul. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Splinter Cell Blacklist. Je me suis fait un peu griller parce que j'ai laissé la même image, donc en fait je le fais tout de suite, hein, bien sûr. Je viens d'acheter le jeu, je vais pas m'arrêter là comme ça en si bon chemin, voyons. Alors, on va continuer à explorer. On va explorer, on va regarder un peu ce qu'on a. Ça m'intéresse vraiment de voir un peu tout ce qu'on a. Alors ici, c'est une sorte de garage, on dirait. Tu peux courir, mon pote? Ouais, c'est bon. Si mes commandes devraient être à peu près pareilles que sur Conviction, donc c'est pas plus mal, hein, parce que je me suis arrêté. J'ai fini je sais pas combien de fois, tellement il était bien. Dieu. Tous ceux qui vous diront ouais c'est plus infiltration et tout, bah, c'est vrai que c'est plus infiltration, mais enfin c'était plus infiltration parce que celui-là je pense qu'on va revenir dedans. Surtout si je joue en perfectionniste, j'ai pas intérêt de faire trop de conneries. Pareil, ouais d'accord, c'était juste pour visiter, il y a pas grand chose à faire en fait. Tu sais qu'ils vont dire ouais je l'ai pas aimé parce que c'est plus infiltration et tout, bah c'est vrai que c'est plus infiltration mais ça reste quand même un super jeu hein. Conviction, moi je le conseille à tous ceux qui n'ont pas osé parce que sous peur d'être ouais, d'accord en fait tu peux mettre tous ceux qui ont eu peur d'être déçus ou quoi que ce soit, moi je vous le conseille quand même parce que j'ai passé des heures et des heures à m'amuser dessus. Bon il vaut pas double agent ni premier ni. Enfin, c'est pas le même charme, on va dire. Double agent était vraiment bien, c'est vrai que double agent, j'ai recommencé je sais pas combien de fois ici, et à chaque fois j'ai réussi à trouver de nouveaux trucs. Des trucs différents, style aller voir comment qu'elle s'appelait la fille Erika. Bon, je vais vous laisser un peu. Salut chérie, c'est moi. Papa, ça va? J'ai vu les infos. La vidéo de la Blacklist et. Je vais bien. Je ne peux pas te dire ni où je suis ni où je vais, mais. Évidemment. Mais tu vas bien. Et oncle Vic, ça va? Vic est. C'est pour ça que je t'appelle. Vic a été blessé, c'est grave. Et il va s'en sortir, hein? Dis-moi qu'il va s'en sortir. C'est un dur à cuire. Et ils vont faire le maximum pour lui. C'est pas une réponse, papa. Il est où? À Walter Reed, je peux y être dans une heure. Ce n'est pas la peine. Il n'y a rien à faire. Il est en train d'être évacué vers Landstuhl. Charlie me tiendra au courant. Si t'apprends quelque chose, quoi que ce soit, tu me préviens, ok? Tu m'entends, papa? Promis. Mais maintenant, je dois filer. Comme d'habitude. Appelle-moi de temps en temps pour me dire que t'es vivant. Bien sûr. Je t'aime, papa. Moi aussi, ma puce. Ah, ma puce, ça c'est du surnom. Moi, j'aime bien. J'aime bien ma puce. C'est simple, mais c'est bien. Vas-y, on va la harceler, voir. Répondeur de Sarah Fisher. Laissez un message après le bip si vous voulez que je vous rappelle. Merci. Ok. Donc j'en ai été où? Ah oui, Erika, oui. Un truc qui était bien aussi, c'est que. Oh, on peut peut-être monter ici aussi. Ah non, j'ai pas voulu. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est. Ils ont pas fait le même jeu sur PlayStation 2, sur Xbox, etc. J'ai dû faire 3 fois le jeu différemment, double agent, et je regrette pas, les 3 fois c'était bien. Ah, franchement. Moi je le conseille. Il y a tous ceux qui vous ont dit ouais, pas pareil que les autres. Ouais, c'est vrai, il est pas pareil que les autres. Mais il vaut quand même le coup d'être joué. Ça vaut pas le coup de le laisser part. Surtout quand je vois l'effervescence qu'a ce jeu, celui-ci, et pourtant qui ressemble, bon, pas comme deux gouttes d'eau, parce que bon, j'ai pas fait non plus 35 heures de jeu dessus pour vous le dire, mais il ressemble quand même plus à Conviction qu'aux 4 autres. Et il est parti, mais. À une vitesse, même moi qui en suis complètement fan, qui à la hauteur d'Hitman et d'Assassin's Creed, qui c'est ma vie ces trois jeux là, j'ai pas pu l'avoir dès le début quoi. Alors je comprends pas les gens qui disent ouais j'ai pas aimé Conviction mais celui-là j'aime bien, non, essaye Conviction, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Bon, y a des phases où t'es obligé d'être en combat et tout, mais bon, j'ai bien aimé.
dire que c'est une grosse dope, comme j'ai pu voir des fois. Merde. Merde. T'as fini l'installation, Charlie? Ouais, une seconde. Ok. Ok, Sam. Je crois que tout est quasiment prêt. Je dois juste overclocker quelques composants et voir si mes commandes de matos ont été approuvées par Sa Majesté. Préviens-moi si t'as des problèmes. Ok. Plutôt pas mal cet atelier, hein? Je vais pouvoir améliorer et réparer la plupart du matériel et... si on a le budget et les réserves, je vais vraiment pouvoir m'éclater avec ton équipement. Je suis entre de bonnes mains. Les meilleurs. Eh, tu veux quelque chose, là? Ouais. Tu pourrais travailler sur un casque. D'accord. Sympa. Oh oui, je veux un casque. Mission de Charlie, solo coop. What the fuck? Ok, on verra plus tard. Je veux un casque. Quelle est la différence? Espion, mercenaire... Allez voir Grimm. Ah oui, alors Grimm, ce qu'il faut savoir... Ah d'accord, ok. Grimm, ce qu'il faut savoir, c'est que cette meuf-là, elle a été dans quasiment tous les... Bah, je dirais même tous les Spindersets. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que quand j'ai joué à la Conviction, mais j'ai pas du tout fait attention qu'elle est... Je me suis pas rappelé d'elle, quoi. Et ils ont vraiment bien fait d'accentuer ses apparitions dans le jeu, parce que... On donne toujours au téléphone, c'était pas drôle. En plus, elle est belle, alors autant en profiter. D'accord, donc c'est ici qu'on viendra pour s'acheter les... Oh yeah. Les combinaisons et tout le tralala. Ok. Mais j'ai cru voir qu'on pouvait aussi le... Oh oui. USP 45. Et j'ai cru voir aussi qu'on pouvait... Espion, c'est quoi ça? Qu'est-ce? Ah, c'est pas pour le multijoueur. Ah oui, voilà, c'est pour le multijoueur aussi. On peut acheter des trucs pour le multijoueur, ok. Je peux acheter des places. Oh oui, oh, il est trop style. Bon, on reviendra ici plus tard. On va regarder les mercenaires vite fait. Allez, mon pépère. Voilà, oh la gueule. Par contre, j'aime pas trop. Ok, bon merci, boulot, Charlie. Merci. Où est Charlie? Je sais, c'était nul. Bon, je peux grimper encore, ok, je vais aller faire un tour après. Les armes, d'accord. Modifier l'équipement. Ok. D'accord, donc c'est la même interface. Donc sinon, bah, en conclusion de tout ce que j'ai dit, ça vaut le coup d'essayer Conviction, voilà. Mais je vous demande pas l'acheter ou quoi que ce soit, bon bien sûr. Ah, nous sommes des gens respectueux et tout, on va acheter le jeu, hein, évidemment. Mais si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, foncez. Salut les patrons. Ouais, oh, c'est trop stylé. Ah, oh. Oh, c'est dingue, l'amélioration graphique et tout. Oh là là, mais c'est le jeu. Il m'éblouit. Je pense qu'après l'avoir fini en perfectionniste, je vais quand même essayer de le faire en armol. En armol. Donc ici j'ai déjà visité, je crois, je peux lui parler, ok. On va redescendre et puis on va se lancer une petite mission, parce que mine de rien ça fait 10 minutes dans le vaisseau fantôme, voilà. Donc ici, on a quoi? Alors on va parler, pardon. Et puis je peux parler, pas tout haut. Salut Sam. Ah, c'est... Briggs, ça y est, tu es prêt? J'y travaille. D'habitude, j'ai un peu plus de temps avant de démarrer une mission. La CIA n'est pas assez réactive. On doit agir vite pour une opération comme la nôtre. Bien compris. J'aurais aimé mieux me préparer. Tu t'y feras. Ok, donc je peux faire des missions en coop avec lui, et des missions en coop avec Charlie. Et en solo, d'ailleurs, avec Charlie. Ce qui est plutôt étrange. Oui. Oui, je comprends pas grand chose. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il donne beaucoup, beaucoup de trucs. Et quand tu démarres. C'est tout pour l'instant. C'est un plaisir de travailler avec vous, chef. C'est dur. Ah, très, très, très dur. On va aller voir. La beauté. Grimm. Écoute, Sam, on a un énorme boulot devant nous. On ferait mieux de crever l'abcès. Le passé a le passé. C'est tout? Tu l'as dit. On a un boulot énorme. Oh le bâtard. Ah d'accord, on peut améliorer les avions aussi. Ah, c'est bien aussi. Donc tu peux améliorer le cockpit. Détecte les ennemis pendant les missions. D'accord.
comment débloquer des prototypes de Ah, j'adore ça. J'adore quand tu peux personnaliser, enfin perfectionner quelque chose et puis avancer. On a reçu des infos d'un contact à Benghazi. Assassin's Creed 2, quand tu pouvais améliorer la villa et l'environnement, c'est... Oh là là, c'était génial. Rien que pour ça, j'ai envie de bien jouer. Bon, allez, c'est parti, on va se lancer une télévision. Hey, Sam, j'oubliais, montre terminale. Je l'ai amélioré. Comme une IMS Lite conçue pour le terrain. Transmission, contrôle de drone, scan. Compris. Tout ce que t'as à faire, c'est la synchroniser à l'IMS, la calibrer, hop, c'est parti. Merci, Charlie. Ajustez le curseur jusqu'à ce que les flèches s'alignent au bord de votre écran. Ah, oui, d'accord, en fait, c'est un cadre. Oui, voilà. Déplacez le curseur jusqu'à ce que le texte dans la fenêtre centrale soit à peine visible et que le texte dans celle de gauche disparaisse. Ok. Donc ça c'est à peine visible. Ah non, ça c'est visible. Centrale un peu visible, oui. Bon bah. Alors, on va se mettre comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça va améliorer votre... Votre voilà quoi. Alors nous on est là. On est au Groenland. Je peux pas zoomer. Alors voilà tous les gens qui... Oh pardon, on peut pas zoomer sur mon... Ouais, oh, hein, non, non mais, Les ils vont se faire bombarder. C'est pas comme si j'étais aussi populaire que Diablo 9 ou que Tango. Bon ça va. Bon bah pour le... Alors à chaque mission de la campagne solo, Sam se rapproche de la victoire sur la zone de stopper la prochaine attaque de la Blacklist avant qu'il soit trop tard. Eh oui. Un manifestant a été blessé ce matin devant une installation militaire américaine à Ansbach en Allemagne par une sentinelle qu'il a pris pour une menace potentielle. Günther Schmidt, 34 ans, a reçu 2 balles dans la jambe alors qu'il approchait de la base malgré les avertissements. Toutes les bases américaines sont en alerte maximale depuis l'attaque de la Blacklist. On prend pas des débuts. Alors, faites sortir Andrei Comi. Alors, lui, c'est pareil, Conviction. Voilà. Pour ceux qui cherchent. Plus haute difficulté terminée. Bon, ça, c'est ce que je vais faire. Non létal. Bon, ça, c'est ce que je vais pas faire. Non repéré. Bon, ça, c'est ce que je vais certainement pas faire. Alors, difficulté. Marqué 5000 pour la maîtrise en difficulté normale. J'ai rien compris. Ok, chaque mission a un score à atteindre pour chaque style. Concentrez-vous avec sur un seul style pour le maîtriser. Et bien sûr, je vais me concentrer sur Panther. Je l'ai déjà dit. Clé USB, trouver une clé USB, capturer le terroriste en vie, pirater l'ordinateur. Ok, bon, bah, on va lancer. Et puis on va se mettre dans le bain directement. Qu'est-ce qu'on a, Benghazi ? Mon contact est dans une planque de la CIA. Ils tiennent un type qui a des infos sur Guam, mais on ne pourra pas lui parler avant qu'ils aient fini. Comment ils l'ont eu ? C'est pas eux, c'est lui qui les a contactés. Et comment on est sûr que c'est pas un cinglé qui veut faire une blague débile ? Vous avez autre chose à me dire ? Le type s'appelle Andrei Kobin, ça vous parle ? Sam. Attendez, on connaît ce type ? Ce qu'il faut qu'on sache. C'est pourquoi un marchand d'armes va se livrer à la CIA juste après l'opération de Guam. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger ? Tu peux tout te permettre maintenant, Briggs. Tu fais partie de l'équipe. C'est compris. J'ai raté un épisode ? Il est notre seul lien avec les ingénieurs. On ne peut faire confiance à personne d'autre. Qui est Andrei Kobin ? Andrei Kobin a prétendu avoir tué ma fille pour que quelqu'un fasse pression sur moi. Wow. Comment il a fait pour rester vivant ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, Sam ? Bah, bien sûr, à la début de la mission. Voyons. Montre-moi la planque. Sérieusement ? C'est un quartier pourri. Je sais. Bizarre, hein ? D'habitude, au Moyen-Orient, la CIA met ses agents en plein centre, bien en vue. Ça suffit. Po. La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. Dès que tu m'envoies le signal, je fais sortir mon contact. Ensuite, toi, tu fonces sur Kobin. Sur un écran, ça semble toujours facile, Grimm. Sam, clarifions les choses. On parle bien d'extraction, on ne veut pas le tuer.
Briggs, montre-moi les positions de surveillance. Les meilleures positions de tir sont là et là. Parfait. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous couvre ou je dois abattre une cible? Charlie, prépare-nous un moyen de transport, ok? Un truc discret, une camionnette. Ça marche? Tu ne m'as pas répondu, Sam. Toi, tu t'occupes de trouver un lieu d'exfiltration, par ici. C'est clair pour vous? Allez, on se prépare, vite! Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi. Grimm dit que tu dois garder Cobin en vie, donc rien de létal. Je recommande des fumigènes et des aveuglantes, mais pas de frag. T'es sérieux, hein? Moi, je veux taper, moi. Je veux du létal, moi. Ok. Moi, je veux du létal. Ta 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 ta. Pardon. C'est quoi ce... Ok, Trirotor. Voilà. Équipé. Une reconnaissance. Adhésive. Bon, on a pris le mot. Grenade flash, mine choc. Bon. Personnalisé, caméra aiguë. Ouais, je veux pas de la changer dedans. J'ai recommencé un peu tout, ce que j'avais à faire, etc. Donc, il m'a regardé un peu tout le reste.